tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de box. Donc si vous aimez découvrir tout type de box, j'ai envie de dire, enfin là voilà, des box de sport, de beauté, de bijoux, de gourmandise, etc. Vous êtes vraiment au bon endroit. En fin d'année on pourra également déballer ensemble des calendriers de l'Avent, donc bougies, beauté et puis gourmandise également. Donc voilà, si vraiment ça vous intéresse, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous conseille vraiment de vous abonner et d'activer les petites alertes. Ça vous permettra de ne rien louper, moi ça me fera plaisir et ça m'encourage, donc j'ai envie de dire, n'hésitez pas. On va en venir maintenant à la box du jour, à savoir l'Athlete Running Club. Donc celle-ci, ce n'est pas ma box, c'est la box de mon chéri, mais vu qu'il est sympa, il me la laisse pour que je puisse vous la présenter sur ma chaîne. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur la box? C'est une box en fait de sport qui s'adresse donc aux personnes qui font de la course à pied. On la reçoit tous les deux mois, elle est bimestrielle, elle coûte 25 €, elle est sans engagement à ce tarif. Il y a 4,90 € de frais de port pour se la faire livrer en livraison standard et 7,90 € pour se la faire livrer avec l'option Colissimo. Donc du coup on va dire que pour 29,90 €, si vous choisissez la livraison standard, vous pouvez vous la faire livrer directement chez vous, donc tous les deux mois. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une box de running, vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur 4 à 8 produits, donc dédiés j'ai envie de dire à votre sport. On va pouvoir retrouver à l'intérieur de la nourriture, voilà, des barres, des choses comme ça, de l'hydratation, des vêtements, des accessoires, enfin j'ai envie de dire voilà, plusieurs choses liées donc au running. Vous pourrez remplir un petit profil qui vous permettra du coup de leur dire si vous faites plutôt du trail, de la route, etc. Combien de fois vous entraînez par semaine, enfin quels sont vos objectifs, etc. etc. pour vraiment qu'ils puissent vous envoyer entre guillemets les produits qui vous correspondent vraiment. Donc concernant celle de ce mois-ci, donc là on l'a reçue au mois d'août, donc du coup la prochaine sera au mois d'octobre. Alors du coup je ne suis pas persuadée que vous la reverrez forcément au mois d'octobre, on verra, parce que j'en ai vu une nouvelle qui a vraiment l'air pas mal. Bon, elle est un petit peu plus chère, elle est mensuelle, mais elle m'inspire bien. Donc peut-être que je mettrai en stand-by un coup celle-ci pour tester l'autre, vous la présenter, et puis vous me direz du coup celle que vous préférez également. Donc, voilà comment elle se présente. Elle arrive toujours dans la même petite boîte, on dirait un peu une boîte à chaussures. Sachant que oui, si vous êtes intéressé, il y a également sa sœur jumelle, j'ai envie de dire. Mais en version vélo, qui est la Pedaler Box. Donc, je vous remettrai dans le petit i juste ici une vidéo de la Pedaler Box que j'ai pu faire. Voilà, c'est exactement le même principe pour le vélo. Et ils sont intelligents parce qu'ils ont alterné les mois, ce qui fait que là la Pedaler on l'a reçue en juillet, donc la prochaine sera au mois de septembre. Là la Running on la reçoit en août, la prochaine en octobre. Comme ça tous les mois vous pouvez vous en faire livrer une. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas. Sachant que oui, il y a un système de parrainage pour cette box qui vous offre 5 € sur votre première box. Tous mes liens de parrainage sont en description de vidéo, donc si vous êtes sportif, foncez. Voilà, quand on l'ouvre... Ah oui, et je ne l'ai pas précisé, mais il n'y a pas de sur-emballage, hein, je la reçois directement comme ça. Quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Je soupçonne un produit de s'être un petit peu déversé dans la box. Je trouve que c'est un peu farineux comme ça dans la box, donc on verra bien. Ouais, c'est sûr. Alors, on retrouve le petit journal, j'ai envie de dire, donc l'Athlete Running Club. Et dedans, on va pouvoir lire quelques petits articles et puis avoir le détail et le prix des produits. Voilà. Donc, première chose que j'attrape, c'est de la marque Sidas. Et du coup, c'est une crème anti-friction, pardon, anti-frottement. Donc voilà, c'est pour éviter les ampoules. À l'intérieur, on a du beurre de karité, du collagène marin, des huiles essentielles. On a un format de 75 ml, c'est made in France. Il y a 99% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Donc non, ça m'a l'air très bien ça. Il n'y a pas de parabènes. Ouais. Donc écoutez, ça c'est plutôt cool. Donc voici comment ça se présente.
Et ça, c'est très bien quand on fait des sorties, notamment lui qui fait du long. C'est vraiment plutôt pas mal de mettre ce petit type de crème avant. Ça va vraiment éviter justement d'avoir des ampoules, etc. Et donc la crème coûte 14,95€. Ensuite, j'attrape de la marque Brax. Qu'est-ce que c'est ? Ah ok, c'est des clips pour les lacets. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. En fait, pour vous éviter d'avoir une fois que vos lacets sont noués, pour éviter que vos lacets en fait se défassent, et bah du coup vous mettez des petits clips. Donc je vais vous montrer, ça se présente comme ceci. Voilà, les petits clips, et en fait voilà comment ça fonctionne, tout simplement. Et ça permet justement aux lacets de ne pas se défaire. Donc ça, je trouve que c'est plutôt malin d'avoir mis ça. Et ça coûte 4,95€. J'attrape maintenant de la marque Morten, je ne sais pas trop comment ça se dit. Donc Hydrogel Sport, qu'est-ce que c'est ? Donc, ça contient de la caféine, on a 40 grammes. Donc, performance et innovation avec le gel sans caf, sans de Morten. À consommer durant vos efforts les plus intenses, avec une faible amertume, un goût peu sucré, 100 mg de caféine et 25 g de carbohydrates, mélange de fructose et de glucose. Il vous apportera un haut niveau d'énergie et contribuera à vos performances. Très bien, et donc ça coûte 4,20€ du coup. Donc voilà comment ça se présente. Écoutez, de la marque Athlete Running Club, donc là j'attrape une petite manchette pour... voilà, pour mettre au poignet, s'essuyer quand on a chaud. Donc elle est plutôt jolie, elle est blanche avec et bleu marine comme ça. Et ça coûte donc 9,90€ tout de même. J'attrape maintenant de la marque Sidas encore. Qu'est-ce que c'est ? Capuchon orteil angel. Ah, c'est pas mal ça, ça prévient les ongles noirs et ça soulage de la douleur. Donc quand vous faites du long, ça peut être vraiment... pas mal, ça peut sauver vos pieds. Bon, alors taille XS, je suis pas sûre que ça ira pour mon chéri, bon, à voir. Pourtant j'avais bien mis sa pointure, tout ça, donc normalement ça doit être respecté. Voilà du coup comment ça se présente. Donc il y en a deux à l'intérieur. Et ça, c'est quand même plutôt bien, parce que des fois les pieds ont quand même vraiment tendance à taper au bout de la chaussure. Et ça peut vraiment vous soulager. Et ça coûte du coup 9,95€ également. Mais ça m'étonne pas, c'est pas donné ce truc là. Et donc ça, je ne vais en sortir que deux. Il y en a un troisième, hein, vous le saurez, mais c'est le troisième qui est... Non, c'est ça. Il y en a un qui s'est éventré, donc voilà. Ouais, je vais même en sortir qu'un, hein, parce que j'essaierai de nettoyer tout ça après. Alors, c'est de la marque Meltonic Bio. Maltodextrine de maïs, donc ouais, gelée royale et acérola, augmentation des réserves énergétiques, goût peu sucré, et donc là on a la saveur citron vert. C'est du made in France, c'est bio, etc. Enfin ça, il n'y a pas de souci. Ça prend 3 jours avant l'effort, donc c'est pour ça qu'on a 3 doses, ce que je trouve plutôt bien. Et ça il en prend déjà, mais du coup dans une autre marque, j'ai plus la marque en tête, mais il en prend déjà avant ses grosses courses. Et là on a 40 grammes par sachet, ça se présente comme ceci, donc ça c'est plutôt bien. Et tiki tiki, ok, donc la boîte de 10 sachets vaut 16,90€. Je vous reprendrai tout ça de toute façon pour faire le calcul de la valeur de la box. Et là nous on en avait 3. Voilà. Bah écoutez, ça c'est plutôt cool. Je ferai juste un mail voilà, au SAV pour dire que j'en ai un qui était cassé. Ça me permettra du coup... Enfin, ouvert, pas cassé. Ça me permettra du coup de vraiment bien tester le SAV de cette box pour voir bah, s'il répond facilement, s'il renvoie le produit sans trop rechigner. Voilà, on verra bien. Et bah écoutez, moi j'en arrive à la fin de la présentation. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai déjà eu des box quand même qui étaient mieux concernant celle-ci. Bon, alors après, moi, je vous donne mon avis, mais c'est pas moi qui m'en sers. Mais
je vous donne mon avis quand même. Donc ça c'est bien, enfin pour mon chéri en tout cas je sais qu'il va les utiliser. On en achète régulièrement dans une autre marque donc ça lui permettra de tester autre chose. En plus c'est bio, c'est au miel etc, je pense vraiment que ça va lui plaire. Ensuite, bah ça je sais pas s'il va utiliser, je suis pas persuadée. À voir. La crème c'est sûr il va s'en servir donc ça c'est très bien. Bah ça écoutez j'ai envie de vous dire c'est toujours utile hein. Il en a déjà à la maison mais pff, ça peut toujours servir. Ça c'est vraiment plutôt cool, voilà. Alors lui il a déjà des Salomon, enfin les S-Lab tout ça donc ça il n'y aura pas besoin dessus. Par contre bah, sur ses Brooks ou sur ses Asics, voilà il faut faire les lacets et du coup ça va bien lui servir pour ne pas que les lacets se défassent. Et ça je sais pas trop s'il est fan de ce genre de petits trucs donc à voir, on verra. Mais je suis pas sûre qu'il soit fan, au pire ce sera redonné à un de ses copains, je ne m'inquiète pas du tout pour ça. Donc voilà, c'était le petit moment sportif de la journée. Voilà, bon en même temps il y en a une par mois qui arrive, hein, donc c'est pas les box que je présente le plus régulièrement on va dire sur ma chaîne. Mais je me dis voilà, s'il y a des sportives ou des sportifs qui me regardent, comme ça vous savez que vous n'êtes pas oubliés au niveau des box. Voilà, la vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Si la vidéo vous a plu, likez-la et partagez-la, ça me fera vraiment plaisir et ça m'encourage. Et puis bah voilà, si vous décidez de vous abonner, bienvenue à vous, ce sera avec grand plaisir que nous vous accueillerons. Nous sommes maintenant plus de 300, donc ça me fait vraiment plaisir, merci beaucoup pour ça. Et puis nous on se retrouve de toute façon tout bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.